les amis, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette fois-ci, on se retrouve donc pour la suite du live. Est-ce que vous me recevez d'abord? Bon, donc il me semble que la petite dame qu'on était censé aller voir nous avait donné une quête à effectuer. Ah oui, de fait, on devait aller à la pêche aux informations industrielles. Voilà, voilà. Donc on doit aller sur le Roseway, mais ouais. Donc c'est parti, on va se rendre sur Terra, aire d'atterrissage de Roseway. Ouais, c'est là qu'on doit aller. C'est parti! On va essayer de ne pas se perdre, ce serait cool. C'est particulier ici en tout cas. Bon, on va se lancer. C'est parti. En avant, je pense que la quête est de ce côté. Je sais pas s'il y a des trucs ici, c'est juste des distributeurs en vrai. Ouais. Oh, il y a quelqu'un? Non. Ah si, c'est moi, c'est ma coéquipière. On voit la paranoïa d'arriver sur une terre hostile. Hein. D'accord. Ah, c'est pas con ça, effectivement, c'est une armure que j'ai loot. Punaise! Effectivement, c'est pas mal, hein, entre nous. Ça n'a pas l'air de me ralentir plus que ça. Donc écoutez, ma foi. Pourquoi pas? Ah ouais, ça pue. Ça pue de ouf, hein, on est d'accord? Bon. Bon, on va aller voir un peu s'il y a encore des gens en vie à l'intérieur, mais... Voilà, voilà, un début de jeu très rassurant. Ouais, j'ai l'impression qu'à l'intérieur aussi, ça a sévi, hein, entre nous. Ok. Oh, un mec vivant. Ça change dans le paysage. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'ils étaient en cage, les raptis, ou comment ça se passe? Forget I said anything about that. Oh, une information utile, je vois. D'accord, quelque chose que je pourrais vendre peut-être par la suite, on va voir. Ouais, bah en vrai, je vais insister un peu quand même, hein. Wish they tasted like sissy pig. Them's good eating. Ok, mais merci, c'est très intéressant. Don't mention it. Anything else you'd like to know? Il fait un peu brut de décoffrage, hein, entre nous. Alors, est-ce que tu as envoyé un appel de détresse, l'ami? Distress call? From here? Shit. Told me that weren't allowed. Et pourquoi? Got me. I just do what I'm told, and I was told not to do such. Ouais, quand je disais que c'était un peu brut de décoffrage, j'étais pas loin de la vérité en vrai. Bon, bah ouais, je vais quand même demander qui commande ici, ça pourrait être sympa. Name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. D'accord. Bah écoutez, je vous propose de s'arrêter là. Anti-Cleos makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not the crap spacer's choice petals. Ok. Lui aussi, il a une belle armure, hein, en parenthèse. Eh, c'est vraiment... C'est vraiment la merde par ici, on dirait. Eh, c'est ce machin-là, hein, sur la Terre, quand je me suis perdu, qui était méchant. Bon. Voyons un peu où on doit se rendre, n'est-ce pas? En avant! Bonjour, toi! We are experiencing a security event, sir and or madam. Please vacate the premises immediately and return to your domicile or designated workplace. on va peut-être... Eh, hey, salut! Je vous dis, on va peut-être éviter d'agresser les mecs alors qu'on arrive, donc... Je vous propose... Ouais, je vais lui dire que je suis là pour les aider, même si c'est pas vraiment le cas. You are? But corporate never told me they were sending a fixer. Nobody tells me nothing. On voit que ce gars, on lui manifeste beaucoup de respect dans son bataillon. Ouais, bah je lui demanderai des infos que l'autre n'a pas voulu me donner, hein, globalement. Ça, un bras de champ de bataille, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? I have strict orders not to talk about anything that happens in a classified area.
Please remember that Anticleo Pharmaceuticals is not responsible for any loss of life or grievous physical injury sustained while on company premises. Vous sentez que ça pue le secret de l'entreprise là? Ça sent mauvais. Bon, vous avez dit que cette zone était classée secret défense. Roseway Lab is a highly classified facility. I am not allowed to confirm or deny its alleged existence. Mais tu viens de le dire. Ok, bon bah écoute, je pense pas qu'il va nous donner plus d'infos. Donc, n'est-ce pas, on va aller par là. Où est l'entrée? Ah. Je serais obligé de les attaquer. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. D'accord, donc c'est lui qui est aux commandes de l'endroit. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Sure. I guess. I'm not supposed to talk to... I mean, why do you ask? Roseway a l'air dans un sale état. It was like that when we got here. I heard it had been shut down for years. But the toilet's flush and the roof doesn't leak. Much. Les toilettes fonctionnent, donc ça va, en vrai, si les toilettes fonctionnent. Je voudrais avoir des infos que personne ne veut me donner, globalement. Hell if I know. There were a bunch of folks with guns and a lady yelling about wanting jobs or something. Next thing I knew, the Raptodons were loose. Uh-huh. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. Vous avez l'air nerveux. What? I mean, we're surrounded by hungry Raptodons. Autant pour moi, mec. Look, I don't want to go back out there, but there's a thing I gotta do. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? En vrai, je peux m'en occuper pour toi si tu me donnes des infos. Je suis là pour ça. Why? Are you heading to the lab? Because that would be... I've been extracting organic compounds from Raptodons. Compounds that have... benefits. D'accord. Extracting how? No, wait, maybe I don't want to know. In certain social situations. Personal situations where you might want to. Vous êtes sérieux les gars? Vous avez vraiment non, franchement. Facilement, je m'en doute pas, vous comptez me dire où je dois aller? Sérieusement, ils ont vraiment genre mis la ville en danger pour ça? C'est complètement l'abus. Enfin, c'est peut-être moi qui ai l'esprit un peu perverti, mais j'ai bien l'impression que c'est ça qu'il avait sous-entendu. Sure. Of course. Our lab south of here down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. Et pourquoi il y a de là-bas? The newer lab is built for, more sensitive work. We mostly use the old lab for storage these days. Et une fois sur place? My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself, dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. Je vais aller voir ça, en vrai. Great! This is really gonna save my ass. Non, à mon avis, il y a des trucs un peu chelous qui se trament ici. Ah non, mais par où je suis arrivée encore? C'est pas vrai. Ah, je viens de là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, je vais d'abord aller interroger les autres gens, vu que je suis là. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Si j'étais là pour vous tuer, vous seriez déjà mort. What? I'm Anton Crane, the lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. En vrai, ça a pas l'air sous contrôle à l'extérieur. Sous contrôle, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce que vous cachez? I'm not at liberty to discuss the nature of the work I'm doing here. Suffice it to say that its importance to me, to the colony, is immeasurable. Pour vous ou pour la colonie, décidez-vous. Those need not be mutually exclusive. My work would benefit everyone, and not just within our colony. Si vous le dites, pourriez-vous me dire ce qui se passe ici exactement? Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptodons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. En vrai, je pourrais essayer de le persuader de m'en dire plus, hein. Ça me paraît sympathique.
Vous devriez peut-être me dire sur quoi portaient vos recherches. Ça me donnerait une meilleure idée des enjeux. You have a point there. Ah, ça marchait. It most decidedly cannot make this situation any worse. All right. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Un dentifrice, sérieux. One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? Mais ouais, mais non, mais sérieux, c'est pour du dentifrice, vous le croyez, ça vous? Je vous en prie. While doing research on enzymes specific to the Raptodon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Aha. Ils font tout ça pour du dentifrice amincissant, vraiment? Not just any diet toothpaste, the ultimate diet toothpaste. Je vais les aider, ils seront peut-être plus enclins à me donner des infos en vrai. Bon, bah ne m'en dis pas plus. Je vais vous débarrasser de ces simples d'esprit et récupérer vos recherches. Vous voulez aussi que je m'occupe des raptis, non? Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the grand architect. Jameson. He's in the old lab. Qui est Jameson? My protégé. I sent him to retrieve some metabolic precursors. Ouais, on est d'accord. And I forgot him. Il est complètement plus bavard, hein, t'as pas tort. Ça devait être le Kaon, soyez pas trop dur avec vous-même. You don't understand. He was my responsibility. All of the people stationed here were... Ah! Regardless of their thinking on the matter. Ah! If he has died... Too many have been lost. Too many black marks against my name. And far too much paperwork. Et c'est ça qui vous chagrine? L'impact que ça aura sur vous? I'll thank you not to mistake my ambition for callousness. Ah, je suis assez d'accord avec la 1, je vous avoue. Ambition rime rarement avec compassion, surtout dans ce genre de cas, l'ami. Enfin, je sais pas, il a quand même précipité des gens à la mort pour un dentifrice amincissant, quoi. On en est là, quoi. If my colleagues refuse to take their lives seriously, why should I? All they do is complain. They refuse to see the opportunity afforded us here. Ouais, donc c'est un con, il vient de l'admettre, effectivement. Mais vous comprenez quand même pourquoi les gens vous trouvent insensible, j'espère. I understand I can come off as manipulative and ego-driven. It's something I've always been forced to contend with. Oh. Oh, tu vas me faire pleurer, arrête. Si vous le dites. And my colleague, Jameson, will you find him for me? Je vais y réfléchir. Salut. Ah, outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then... make it quick, please. Qu'est-ce que vous voulez dire? Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the Raptodons? Ouais, bah globalement, on a entendu un appel à l'aide. Donc ouais, on est venu. Oh, well, good luck. Je suis toujours là, l'ami. Au cas où. Non mais il est sérieux là? Il est vraiment en train de m'ignorer comme ça tranquillement? Qu'est-ce que vous faites au juste? What does it look like? I'm preparing a personal defense device, or trying to anyway. Si vous tirez un câble à partir de ce condensateur, vous pourrez contourner ce circuit et économiser un peu d'énergie. I... Why yes, I suppose I could. Thanks. Vous avez besoin d'un coup de main? No, well, yes, well, no, perhaps. Décide-toi, l'ami. I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better were they returned to me. D'accord, je vais aller voir ça. Hey, you wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? No. Last. Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. D'accord, bah globalement, on nous envoie chercher pas mal de trucs. Hi. Oh. Je m'apprête à faire des choses bien, comme vous voyez. Bon,
Pourquoi est-ce que tu ouvres ça, hein? Tu détruis ma tentative d'être discrète là. C'est pas bien. Bon. Oh, batterie. Oh, c'est bien ça. Nickel. Ça suffit, Parvati. Tu me stresses. Ouah, mais je vais toujours prendre la mitrailleuse en vrai. Bon, bah on va aller voir ce qui se trame dans le labo du coup. Mais en vrai, vous y croyez, vous, à cette histoire de dentifrice? Ça me paraît un peu gros, en fait, tout ça, juste pour du dentifrice, en vrai. Oh, je crois qu'il y a des ennemis par là, en vrai. C'est ça, hein, on est d'accord. Oh, des raptidons. Ok. Oula, 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 je l'avais pas vu, lui. Ah, lui non plus, je l'avais pas vu. Ah, au secours. Je l'ai eu. Il y a pas mal de trucs, oui, ça c'est bien. Oh, c'est quoi ça? Vieux journal. Papa, je t'écris en espérant que tu réussisses à revenir ici. Je m'excuse de ne pas être là pour te recevoir. Ils nous font quitter la ville, tous. Je sais pas où on va. Dans tous les cas, j'espère qu'ils ont un labo aussi sympa que celui de Roseway. On fait du bon travail, on fait de la vraie science pour une fois. Je sais pas pourquoi ils nous font partir et j'ignore quand on se reverra. Papa, rends-moi service et brûle ce journal. J'ai même pas le droit de mentionner le nom de Roseway, sinon, selon l'entreprise, cette ville n'a même jamais existé. Je veux pas avoir d'ennui. Oh, intéressant. Ne pas sous-estimer l'importance d'une haleine fraîche. Fais rien. Mais ouais. Oh, je peux dormir, c'est ça? En vrai, un petit seum au milieu de la pagaille, ça me paraît pas être une mauvaise idée. Et il fait jour, comme ça. Ah, punaise, il y a des cadavres partout, hein. C'est pas très joyeux. Hein. Encore des ennemis. Ah, oui, je l'ai eu. Oufti, il y en a partout, c'est une blague. Oui! Ah, au secours! Viens ici. Ça fonctionne mieux, hein, quand on est dans une zone de son niveau, hein, quand même. J'imagine que c'est le premier labo ici ou quoi? Ça a l'air relativement calme par ici. Tant que maintenant en tout cas. Voyons un peu ce que ça raconte. Ouh. Parvati, t'es sérieuse? C'est mort. Mais où est-ce qu'elle est donc? Pourquoi est-ce que tu pars toute seule? Reviens! Ah, bien vu! Eh punaise, il m'a pas vu ce con! J'étais à côté de lui. Après, je vais rien dire là, parce que je l'avais pas vu non plus en vrai. En vrai, je suis montée là avec elle, mais il y avait des trucs en bas, je crois. Et ça m'a tout l'air d'être. Ah, mais c'est par ici que je suis rentrée en vrai. Ok. Un petit tour pour rien. C'est à n'y rien comprendre. Ah, mais par là! Là, on peut aller. Oula. Reviens ici. Ah, mince! Toujours rechargé avant d'attaquer des gens. Oula! Ça marche pas très bien, cette arme-là. On va tester autre chose. Ah ouais, sur un truc mécanique, l'électricité, ça fonctionne du tonnerre. Ah oui, c'est vrai, ce truc est inutile. J'avais oublié. Ah, il va falloir qu'elle approche en vrai. Voilà. Il y a un mec mort en vrai. Scientifique, code d'accès de l'espace de stockage. Ça va être utile, ça, à mon avis. Et spray souffle de vérité. Est-ce que ce serait pas pour obliger les gens à dire la vérité? Si c'est le cas, ça pourrait m'être utile. Mais je pense qu'il n'y a rien d'autre à voir, hein, ici. Hey, salut, Coz! Mais je viens de là? Attends, c'est par où qu'on part, du coup? Je pense que c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'était pas par là, c'est ça. Mon sens de l'orientation me perdra. Et c'est le cas de le dire. Ah, mais j'ai pas été par là, si. Non, hein. C'est bon, j'ai trouvé.
Je pense que je vais bientôt mettre la main sur les recherches de l'autre. Je suis encore sortie, c'est ça. Voilà. Je n'ai plus de munitions. Ah. Ah, voilà qui est mieux. Ah, mais je... Mettre à couvert, ça peut être bien en vrai. Mais arrête de m'ennuyer, toi. Ah, il est déjà mort. D'accord. Toi, je t'ai eu. Moi, je t'ai eu aussi. Oula, il vole lui. Je l'ai même pas vu. Savoir, l'ami. Ah ah ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Poids de compétences disponibles. Ah, oh, dites-moi que je vais pouvoir prendre... Ah, oh, super ! Il me fallait absolument un truc pour pouvoir porter plus. Je prends ça. Encombré ? Mais qui est encombré ici, voyons ? Alors, qu'est-ce que ça raconte ici ? Ça pourrait être bien de mettre un petit peu de points en technologie. Je me dis en dialogue aussi. Ouais, je vais me mettre le reste en furtivité pendant qu'on y est, n'est-ce pas? Je pense que ce que je cherche est à l'intérieur, mais je ne sais point où. Nope. Dis donc, j'ai un peu l'impression que je suis abonnée aux toilettes et à chaque fois que je cherche un endroit, je tombe sur les chiens du coin. C'est pas grave. Ah, super. C'est pas très utile, hein, ce truc, quand même. Ah, ça c'est mieux. Ok, on a trouvé les schémas donc du pistolet du mec. J'ai encore d'autres trucs à prendre ici. Non, ce coup-ci je peux vraiment partir pour le coup. J'espère qu'ils vont bien me récompenser en potin hein, pour avoir fait toute leur course là. Je pense qu'il va falloir que j'utilise mieux et plus ma carte en vrai. Oula. Il y a des mines partout hein, en vrai. Oula! J'ai fait du bruit pour rien, c'est ça? Oula, 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 oula! Ah! Attaquer quand le truc est déchargé, c'est tout moi ça. En vrai, une mitraillette, c'est plus efficace de près. Ah, mais j'ai plus de balles! C'est fait. Qui est là? Ah non, encore, non! J'ai failli mourir. Ah là là, ça va pas, hein. Alors que je fasse plus attention en vrai. C'est chargé en mine hein, par ici. Encore un mec, c'est ça. Je vais changer d'arme ce coup-ci. Fusil de chasse, ça pourrait être sympa en vrai. Ah, je l'ai raté, c'est ça. Hélas. Mais je l'ai eu. Ah, vite. Vite. Je suis prête à vous accueillir. Ha. Qu'est-ce que tu dis de ça? Voilà. J'arrive, Parvati. En vrai, quand je me perds pas, le niveau de difficulté est gérable. De loin. Il y a des gens là. Mais j'y suis, je pense. Bon, je vais me mettre ici. Récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et... Je level up de nouveau. J'aime beaucoup les snipers, hein. Franchement, c'est cool. Ça, c'est fait. Non, mais il n'y a pas besoin de faire chute, les gens sont déjà morts en vrai. Je pense que je récupérerai le loot en partant. Bon, on va aller chercher le reste du coup. On y va. Oula. Ils sont méchants, eux? Non. Qu'est-ce que tu me veux, toi? You care to explain what you're doing here? Did you miss the big sign outside? C'est Anton qui m'envoie. Vous êtes le responsable de la sécurité? That I am. Name's Porter. If Doc Crane did send you, I'd be glad for the help. Bad news is, we haven't been able to clean these outlaws out of the lab. Good news is, they haven't been able to escape, neither.
Si je puis me permettre, si c'est toi le chef de la sécurité, c'est pas très sécurisé là-dehors. Je dis ça, je dis rien. Il pourrait pas s'échapper par les conduits d'aération, Einstein ? That's how they got in. We got that locked down. There's no access from their level without a security key card. Autant pour moi ? That also means no fresh air down there. Probably reeks of Raptidon musk. Couldn't happen to a nicer bunch. Et comment ça se passe avec les Raptidons ? They don't care which side their lunch is on, but the Rapt cells are down with the outlaws, so they're the appetizers. D'accord. When it looks like they're fixing to make a sally upwards, I have a sniper pop the lock on a Rapt cell. It's kept them busy. Après, je dis ça, je dis rien, hein, mais pour le même prix, tu fais sauter directement la tête du mec au lieu de faire sauter le cadenas de la, du truc, ça marche aussi, hein. Après, je sais pas ce que c'est les hors-la-loi, j'ai pas très envie de me positionner en vrai. Ouais, je me demande quand même pourquoi il fait ça en vrai. Ils l'ont sûrement mérité, hein, j'imagine. Hired guns, the lot of them. I'd bet you bits to bobstones each has wanted across the system. Après ça, ça veut rien dire d'être cherché. Visiblement, ils s'en sortent pas de ouf. Encore des toilettes, sérieux ? Je sais bien que c'est des robots, mais ils sont quand même un peu aveugles. Hein. Tous les chemins mènent aux toilettes, on est d'accord hein, quand même. Hein. Oh punaise, je suis assez prêt pour l'attaquer avec ce truc. Allez, viens par ici. Mais, oh mais... Je l'ai eu. C'est bon. Oh, un casque. Et ouais, le leur est vachement mieux. Oh, et d'ailleurs l'armure est mieux aussi. Oh, trouvé. Coffre-fort d'Anton. Le coffre-fort a été ouvert de force et son contenu retourné et éparpillé de manière hâtive. Ah, les notes qui restent mentionnées. Les notes qui restent mentionnent divers projets suspendus, mais les précieuses recherches d'Anton restent introuvables. Des éraflures le long du rebord témoignent de l'œuvre de voleurs peu délicats, des hors-la-loi probablement, ont dû s'enfuir avec les travaux d'Anton. Ah. Hey, you. Over here. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu quelqu'un ? Parce que moi, je n'ai vu personne. Oula. Oh my gosh, this is. Please say we don't gotta walk through that. Eh mais non, mais moi j'ai envie d'aller voir en vrai. Ce qui s'est passé ici. Aiguillon à Raptis. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça fera des preuves. Expérience en cours 90%, pause automatique activée. Ah, je vais regarder le registre d'abord pour savoir dans quoi je m'embarque. L'extraction de muscles se déroule sans accroc pour le moment. Les niveaux de pression semblent constants et les variations observées dans les échantillons restent inférieures au seuil de tolérance. Je trouvais que les Raptis puaient déjà à la mort, mais c'est encore pire à l'intérieur. Quelque chose me dit que tout le monde va éviter soigneusement mon labo jusqu'à la fin des autopsies. Une seconde. Il se passe quelque chose dans le couloir. L'alarme s'est déclenchée. Je parie que c'est encore un de leurs foutus exercices. Bon, bah, je vais aller voir. C'était pas un exercice! Mais qu'est-ce que je fais en vrai ? Il y a recalibrer l'expérience et achever l'expérience. Mais pour la recalibrer, j'ai pas les stats en vrai. Bon, bah je l'ai purgé, n'est-ce pas ? Ça c'est fait. Oula, qui est-ce ça ? Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. Je savais que les points que j'ai mis en mensonge ce serait utile en vrai. Je n'ai jamais rencontré ce Crane. I suppose it does not matter. Either Crane sent you, or you are some scavenger come to rob me in my moment of weakness. Let's make a deal. I'd like to go on living. You'd probably like to make some money. Help me get out of here, and I will pay you for your trouble. Fait, il va falloir me proposer plus que ça. Moi, je veux les recherches, en vrai. You mean other than the satisfaction of doing me a good turn? Trust me, I'll make it worth your while. Et qu'est-ce que tu fais là, je pourrais savoir?
same reason you are, more than likely. I imagine we picked up the same tip. Secret research facility, abandoned town, minimal security. Abandonné, sécurité minimale, c'est pas vraiment l'impression que j'ai eue. No, but it is a secret. Well hidden. Off the map. Any place worth hiding is worth raiding. Granted, diet toothpaste is not exactly what comes to mind when I imagine secret research and underground labs. Je ne vois pas où est le problème, c'est important d'avoir une bonne hygiène dentaire, ça me fait trop marrer ça. Vous avez dit dentifrice amincissant? Diet toothpaste. Can you imagine a more pernicious example of corporate materialism? I do not know what is worse. Working here or dying here. Si j'ai bien compris, vous vous êtes donné tous mal pour voler une formule de dentifrice amincissant donc. What matters is that I have been lied to. I was led to believe this was a high priority corporate facility hiding valuable research. This job was not supposed to end with me stuck in some wretched lab smelling like rats. So I would be very much obliged if you gave me a break. Et qu'est-ce que j'y gagne? You mean other than satisfaction of doing me a good turn? Trust me, I'll make it worth your while. Je ne sais pas. Franchement, j'ai le regret facile en vrai. I am good for my word. You will be equitably rewarded on my honor. But I will not haggle or bargain with you until you help me. En vrai, vous en pensez quoi? Parce que concrètement, si elle veut pas me donner la recharge, je peux la tuer et les prendre sur son cadavre. Après, ce que je peux faire aussi, c'est la libérer et puis la prendre. Je sais pas si elle nous proposera d'être. Enfin, de venir en tant que compagnon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous en pensez quoi, vous? C'est d'ailleurs la loi qui les recherche. Donc, c'est l'ennemi des Crane. Ouais. C'est pas faux. Mais si c'était une hors-la-loi, du coup, pourquoi est-ce qu'elle est enfermée, je veux dire? C'était des ennemis qui étaient à l'intérieur, là. Des hors-la-loi, d'ailleurs. Je vais quand même lui demander ce que je peux faire, en vrai. Et puis, au pire, rien ne m'empêche de la tuer, hein. Dites-moi ce que je peux faire. La première chose que j'ai besoin, c'est une keycard pour unlock ma door. Then I'd need you to clear me a path out of here. Ah, tu vois ce que je te dis, elle est enfermée. Il y a deux ways out. The quickest is through the front door. But Cleo security is bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay. But you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. Anton se doutait que vous lui aviez volé ses recherches. Il vous a même traité de simple d'esprit. So you lied about not knowing Crane. Tout à fait. I suppose I do not blame you. We liberated that research. We did not steal it. And yes, a few scientists were caught in the crossfire. Et pourquoi vous faites une chose pareille? This lab is a prison, not a place of work. Those men were not scientists. They were indentured laborers. We liberated them. Aha. They should be thanking us. Comment ça? Personne n'a obligé ces chercheurs à travailler ici? Qu'est-ce que tu me parles? You think they had a choice? That any of us have a choice? The greatest sin in this colony is to be unemployed. To be without work is to be without rights. C'est vrai que ça, c'est ce que j'avais cru comprendre sur la première planète où j'étais allée. Mais pourquoi vous me bassinez avec ça, globalement? You and I are on the same side. We both possess the means to fight back against a tyrannical and oppressive corporate regime. La 1 est drôle, hein, quand même, en vrai. Eh bien, vous n'allez pas combattre grand-chose en restant piégé ici, si je puis me permettre. We are all of us trapped. You, me, the scientists. This is not a colony. It is a slave camp. Yes, we raided the lab, shot some guards, killed a few scientists in the crossfire, but it was all for a higher cause. Donc vous êtes une meurtrière avec une conscience. All wars have casualties. I regret taking a life, but we were doing them a mercy. Better to die than live in a state of slavery. Après, c'est peut-être pas à toi de le décider, ça me fait. Tous ces beaux discours sur la liberté et l'indépendance, c'est bien beau, mais sans mon aide, vous êtes piégé ici pour de bon. We are all of us trapped. Ah, elle boucle là, hein, ça va pas. Allez, en vrai, je vais t'aider, mais je te préviens, si jamais t'essayes de me traduire, je te fais sauter la cervelle. You might be the first stroke of luck I've had all day. Thank you. I'm in your debt. Ah, les gens auront l'habitude que je foute le souk au final. J'aimerais quand même en savoir un peu plus à son sujet. Ask away.
I have got nothing but time. Qu'allez-vous faire de ces recherches? Sell it, of course. I don't have any use for the scribblings of idiotic scientists, but whoever gave me this tip obviously does. Assuming I make it out of this place alive. And with my ship out of commission, I'll have to leave on foot and hope my luck changes. One problem at a time, I suppose. Vous parlez comme si les corporations étaient vos ennemis. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? From the day we are born, we are made to obey. Never question, never hope. Never dream of anything greater than the lot appointed to us. Corporations expect us to work until the day we die. But they could not give a half-bit shit about our lives. Pourquoi avez-vous décidé d'attaquer un complexe statique Léo avec votre bande? No one asks why anymore. The establishment tells us to live here, work there, eat that, drink this. All our choices are made for us, so we forget we ever had a choice. I am doing this because I can. Because it thrills me. Because I take a deep and profound pleasure from stabbing at the heart of corporate power, no matter how shallow the wound. En vrai, ce qu'elle raconte, ça me parle de ouf. Même si ses méthodes, je trouve, elles sont pas bonnes. Moi, j'ai pas décidé de jouer un personnage particulièrement droit et gentil, donc... En vrai, elle me plaît bien, en vrai. D'accord, Ramfei, je vais t'aider, hein, globalement. I would ask what was on your mind, but the answer is obviously me. Et dans quoi je vais mettre les pieds si je vous aide? Nothing beyond the purview of a talented freelancer like you. Merci. Ok, je vais essayer de la persuader quand même. Je peux essayer de persuader les gardes de quitter leur poste, mais vos hommes devront les laisser passer. You really expect me to just let them pass? Why? So they can regroup behind their walls and mount another assault? Elle a pas tort. Never mind. I'm obviously in no position to argue with you. If you can talk those guards into standing down, my people will follow suit. Et je te préviens, si tu m'emmerdes, je fais sauter la tête de tout le monde. Hein. You damn turncoat. We saw everything. Oops. You must think me a fool. I was watching on the security cameras. You got downright friendly with the outlaw leader. I reckon we got nothing to say to each other. You best back yourself out of here. Nice and slow. Oops. Pas la peine de prendre les armes. Écoutez plutôt ce que j'ai à dire. You got one minute. Starting now. J'ai convaincu Cassandra de vous laisser partir sain et sauf. Le labo est en ruine. La moitié des employés sont morts. You convinced her to let us leave in peace. Listing the ills we've been done ain't exactly putting me in a mind to compromise. Vous avez fait votre travail, au-delà de ce qu'on était en droit d'attendre même. Don't reckon the company's gonna see it that way. Ils ne sont pas là. Je leur dirais que vous avez combattu jusqu'au bout. Don't know how much that'll help, but I appreciate it. I reckon I don't see any better solution. Fine, damn it, we'll pull out. Super, oui. Here, my key card. It'll get you access to the whole place. Nickel. Full stakes, people. We're heading back to town. Eh ben dis donc, c'était moins musclé que ce que je pensais. Franchement, à un moment donné, je me suis dit que ça allait péter dans tous les sens et que ça allait être n'importe quoi. Mais je vois pas bien comment je peux lui ouvrir la porte en vrai. C'est ici? Non. Genre clique sur la porte et pas sur elle? Ça a pas l'air de marcher, tu sais. Ah, porte de l'enclos. Elle est de l'autre côté, c'est ça. Bon, bah, je vais lui ouvrir, du coup. C'était donc ici. Finally. Hey, tu m'en dois une, Amphel. I've never been so pleased at the sight of an open door. Please tell me you've cleared a way out of here. J'ai dégagé les deux issues possibles. J'espère pour vous que je n'aurai pas à le regretter. So you have. I am much obliged. And now, if you do not mind, I have had quite enough of this wretched place. Je ne vous ai pas sauvé la vie juste pour vos beaux yeux. Good. I never trust a freelancer who works for free. Ouais non, je pourrais l'inciter à m'en donner plus en vrai. Allons Cassandra, soyez généreuse. Pensez aux orphelins. Orphans. Is that what you are calling yourself now? Here. Let it never be said that I do not reward good work. Vous allez me remettre les recherches volées maintenant. Oh, really? And why, pray tell, would I do a thing like that? J'ai mené ma petite enquête. Ces données sont faussées. Elles valent pas un rond.
Damn and blast. I should have seen this coming. Sérieux? Here. Putain. J'ai pris la thune et les recherches, les gars. I hope he chokes on it. Au revoir. Eh putain les gars, quand même là je l'ai bien roulé, hein. C'était pas mal. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui lui? Liliane. Hey there, you're the lady Cass called about? Qui la demande? Relax, I ain't with Auntie. I'm one of Cassandra's gun hands. Name's Lillian. Hope you're having a better time than us. Dure journée, hein? I've had better. Lost some things in a dust-up. But I didn't get eaten like some of our crew. Got that going for me. Toutes mes condoléances. C'était des amis? Some of them were okay. You don't get too close in this work. And Dylan, well, ain't no one gonna regret his passing. Least of all his mama. Je m'attendais pas à trouver quelqu'un dehors, je vous avoue. I was near the Raptodon pen when they got loose. Had to set a few to rights. When I got to checking if all my parts were still attached, I realized I dropped my cigarette case. Ah non, hein. Ah non, hein. Je vais pas chercher de cigarettes, hein. À un moment donné, faut arrêter de déconner, hein. Bon, allons-y, du coup. Salutations. On the thing we spoke about? You know, that thing? Bon, bah, j'ai trouvé votre expérience. Don't keep me in suspense. Did you get my stuff? I mean, not mine. It's for other parties. Buyers. En vrai, j'ai pas très envie de lui rendre. Tout a été saccagé. Il y avait des raptidons partout. Damn. I bet the outlaws shot it for kicks. At least the short circuit would have let some raptidons out. Revenge. Kinda. Attendez, pourquoi les raptidons ont pu sortir? Je n'ai rien compris à ce que vous avez dit. I siphoned power from the pods to keep Dr. Crane from catching on. I'm no electrician. Every time I plugged it in, the locks would open. Ce qui a failli me tuer? Well, it's not like I expected this to happen. Et t'abuses, hein, mec, franchement. C'est pas plus mal. What's left there that's worth dying for? You let them get away. Worthless, the lot of you. Well, you get what you pay for, don't you? Bon. That no-account fool Porter and his crew are even more worthless than I could have imagined. They've abandoned their posts. This is madness. Eh, t'as qu'à y aller, ça te va pas, l'ami. On dirait que vos collègues menaient des petites expériences clandestines. Oh, really? Who? Orson a bricolé une sorte d'arme pour l'utiliser contre les raptidons. Orson? Good. It will keep him from wasting my time. Sounds like he might actually be doing something. Quel con, celui-là, quand même. I will be happy to answer your questions once I have my research. In the meantime, I will occupy myself considering the different ways I can end my life. Vous en faites un peu trop, non? No, realistic. I don't get that research back, I'll be released from my indenture contract. Votre contrat de servage? Ça ressemble plutôt à une bonne nouvelle, non? You can't be serious. No contract, no work. No work, you're a pariah, cast out, shunned. Soon you'll find yourself among... deserters. Les déserteurs? You know, dregs, ne'er-do-wells, eking out a horrible existence on the periphery of society. Even if that's not my fate, I don't relish being sent to some backwater corporate township. Monsieur, vous êtes un vrai con et je ne travaille pas pour les cons, en vrai. Oh, ça l'a pas... You've returned. What news? Ça l'a pas embêté. Léon Lalois sont fouillés en emportant les recherches. That's... all manner of distressing. There truly is nothing left for me. Did you find my colleague, Jameson? Non. Well, please keep me apprised of your progress as to that matter. Bon, bah, ça c'est fait. Bah écoutez, du coup, je vous propose ce coup-ci qu'on s'arrête vraiment là. J'espère que le live vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en aurez pensé. Donc bah, moi, je vous souhaite une excellente journée. Et écoutez, on se retrouve très prochainement pour, sur YouTube pour une prochaine vidéo pour ceux qui me suivent. Et sinon, pour un prochain live, la semaine prochaine. C'est samedi, donc oui, samedi. Allez, bisous tout le monde.